Les gars, on dit quoi sur Facebook? Maintenant, posez un peu. On dit quoi sur Facebook actuellement? Mais je vois même pas les commentaires. Hein. Les commentaires aussi, hein. Les commentaires sont assis par terre. Les tout à l'envoyer. Mettez les étoiles, les étoiles, les étoiles. Je fais direct en même temps, je dis, mettez les étoiles. Direct en même temps, les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles. On va parler un peu. Ouais. Venez, venez, on dit quoi? On dit, il y a trop de... Yeah! Allez la Facebook, allez la même, il y a chose. Il y a béré un peu partout. Venons en parler. Hélène, big up. Big up, big up, big up, big up. Ouais, c'est vrai, c'est fait ça. Oui. Mais on peut parler avec moi. Avec moi. Avec moi. Et si on parle avec moi. Hein? Avec moi. Venez en parler. Ouais, venez en parler, ensuite. Voilà. Ouais. Les commentaires. Guinée Batraoré, big up à toi. Torres Guessant, big up à toi. Voilà. Big up à. Attendez, je suis en train de mettre quelques petits cœurs là, chape, et puis on va manger un petit béret quand même, entre nous ici en famille. Ça fait bon. Ça fait bon. Bon, je vous annonce mon arrivée au Canada bientôt, à Montréal. Voilà, animer un mariage. Bon, ça c'est... On va vous affairer bientôt, je vais vous affairer bientôt, c'est pas on, c'est moi-même. Bon, voilà. Je vais vous... Mettez le cœur. Chanel Tikirvi. Ouais, on dit Henny. Henny, ça frappe qui? Nado, Jackson. Vieux, le boss, big up à toi. Enis, une go qui a fait karaté. Ah, Enis a cadena ça. Enis a cadena ça comme ça. Yeah, Adam, hein? On peut faire karaté comme ça. Vous voyez Enis comme ça là. Elle a force, hein? Vous qui, oui, non, Enis, hein? On va. Vous les femmes qui disent. Si on voit Enis, on va la frapper. Enis, elle a passé tout son temps en train de faire karaté. Ses parents l'ont mis dans karaté jusqu'à... Elle a grandi ça. Elle a cadena ténor comme ça. Yeah, you got it. Elle a cadena ténor. Yeah. Chanel Design. Big up à toi. Toi-même, je ne sais même pas où tu es. Ah. Non. On peut jeter sa famille comme ça. Tiens, histoire de l'homme là, hein. Petit l'homme sur moi là, même tu m'as jeté en même temps. Adama, on peut jeter comme ça. On peut jeter comme ça sa famille. Même appel, même je ne reçois même plus. Tellement que pour la mère, elle en l'homme. Adama. Tiens. Enis. Déjà, Enis a force, hein. Elle a cadena coup de ténor comme ça. Elle a cadena coup là. Cool. Les nerfs de ténor sont sortis. Les nerfs même sont sortis. Yeah! Enis! Yeah! Ah, c'est un coup de yopougon. Enis! Yeah! On peut
peut cadenas son fiancé comme ça. Enis a cadena coup de son fiancé comme ça. Hein, Enis? Ah, Modeste Ouadraogo, merci pour le cœur. Big up à toi. N'oubliez pas les étoiles là. Oui. N'oubliez pas les étoiles. Christelle Zemet. Pas Makoso. Ok. Adinaki. Non. Ténor. Partagez d'abord. Partagez. Je vais parler de tout. Même de Aya Roubaix, mais je vais parler aussi de Aya Roubaix. Aussi. Mais en attendant, je vais parler de comment on peut serrer le cou de son fiancé comme ça. Comment on peut serrer le cou de son fiancé? Enis, déjà ton histoire de dire que tu as fait karaté, un jour tu m'as dit que tu as fait karaté, que tu faisais karaté depuis ton enfance, tu as grandi dans karaté. Déjà c'est vrai, mais tu as serré le cou de ton fiancé. On peut faire ça. On peut serrer le cou de son fiancé comme ça. Vous quand même traînant, mais vous voulez pousser. Ténor. Donc, femme même te frappe. Yeah! Adama. Ténor, pourquoi tu fais ça? Partagez le direct. Yeah! Hey, Vico. Bon, je dis ça en espagnol. Vico. Yeah! Non. Oui, Christelle Zemet, je vais bien. Seulement, Enis Zuna m'a étonné, quoi. Vous savez, ce qu'elle m'a dit tous les jours, elle m'a dit, non, grand frère, tu sais, je faisais karaté quand j'étais petit. Voilà, taekwondo, shotokan, hein, judo, kung fu, même chose, machigiri, voilà, mawagiri, tout ça là. Ja et Enis faisait karaté. On peut serrer le cou de son fiancé comme ça. Hein? Sanoussi, Sixa. Ouais, papa n'a 12K toujours. Prends ma couche. Oui. Tiens, ténor. Ah! On a assis par terre comme ça. Oh, on a assis par terre. Partagez d'abord. Attendez, je vais mettre mes petits cœurs là d'abord. Et puis, je commence mon direct. N'oubliez pas mes étoiles. Et vous aussi. Ah, vous mettez étoiles là, ça fait quoi? Hein? Je dois nourrir mon enfant. Hein? Je dois nourrir mon enfant. Hein? Ma fille s'appelle confinement. Mettez les étoiles là pour elle. C'est pas à cause de moi-même. Moi, je dois mettre... Ma fille doit boire biberon caviar maintenant. Elle doit boire biberon caviar. Elle a 2 ans, mais elle ne veut pas laisser biberon. Donc, elle doit boire biberon caviar. Attendez, je suis en train de mettre les petits cœurs et puis on va rentrer un peu dans le but du sujet. En attendant, Enis Zuna et Ténor, ils se sont courbata. Niawa. Kouroubata, il n'y a pas pardon. Enis a cadena ça. Lui aussi, maintenant, tu sais, au début, il voulait se jouer les... Non, c'est un homme, il peut pas brutaliser une femme. Mais quelle a cadena ça, le vrai saint est sorti. Quelle a cadena ça, hein? Le vrai saint est sorti. On peut cadena comme ça, son mari. Tiens. Enis a cadena ça, hein? Attendez. Bon, dans une minute, je commence mon direct. Dans une minute, je commence mon direct. Partagez vidéo là. Partagez. Je voulais pas faire live, mais. Comme c'est le béret. Voilà, comme c'est le béret là, on va parler aussi. Voilà, c'est le béret, on doit parler. Voilà. Ouais, Florence,
Ouais, frère Benjuli, big up à toi. Ouais. Tu sais, depuis les gars là m'ont redonné mes téléphones là, ils ont tellement, vous savez, ils ont tellement compliqué mes téléphones là que moi-même je ne reconnais plus mes téléphones moi-même. Voilà. Donc je disais, ténor. On va commencer par chose ténor et puis Enis. Mais j'ai dit Enis, toi aussi souvent il faut sciencer. Toi-même tu connais les artistes, oh. Voilà. Les artistes là, toi-même tu connais les artistes. On monte, on descend, à t'échanger, à t'essayer qu'à changer. Les artistes là, ils sont comme ça. On monte, on descend, hein. Quand ils vont chanter là, quand ils vont faire un show, quand ils vont faire un concert, on monte, on descend, si tu n'es pas de... Même si tu es derrière, ils vont valider. Ils vont valider à côté. Ah oui, ils vont valider à côté. Donc, faut même pas te fatiguer, hein, Elise. Faut pas te fatiguer. Ça fait partie du game, ça fait partie du showbiz. Tout ce que tu peux faire avant que ton homme va aller faire un show, tu prends au moins des sachets de capote, les sachets de préservatifs, tu lui donnes. Voilà. Une bonne fiancée prend des sachets de préservatifs, elle donne à son fiancé qui va faire un spectacle dans un autre pays ou bien dans une boîte, dans un concert. Une fiancée même qui aime son fiancé et son fiancé est artiste, elle aussi elle est artiste. Donc avant d'aller faire un show là, tu prends un casier de préservatifs, un casier de capote, tout. Tout bien compté, toi-même tu comptes les préservatifs là. Et puis tu donnes ça à ton gars, il n'a qu'à aller au début, il va faire non, pas du tout ça, mais il va prendre au moins, quand même ça va éviter beaucoup de choses. Enis, tu as vu, il sait même pas, tu es venu, on dit tu es venu croiser une go dans sa chambre et puis ah, mais il faut t'attendre à ça. Moi, personnellement, là, je ne connais pas un artiste chanteur qui est fidèle. Moi, personnellement, je ne connais pas. Je ne connais pas un artiste qui est fidèle. Oui. Puisque moi-même, j'ai été artiste, danseur, au milieu des chanteurs. Moi-même, j'ai vu. J'ai vu jusqu'à, je suis fatigué. Les artistes, ça, sont infidèles. Surtout les artistes de coupé décalé ou bien de la nouvelle génération, là. ATC qui a chauffé, c'est des infidèles, des éternels infidèles. Oui, c'est les éternels infidèles. Donc, Enis, je sais pas. Normalement, tu ne devrais pas crier, parce que au moins, quand même, voilà. On monte, on descend. Toi, tu es la maman. Tu es la maman. Voilà, tu es la maman, tu es la mère, comme on le dit. Et puis bon, le chanteur à côté, il valide, il valide, il valide. Mais avant que ton gars ne parte dans un concert, donne-lui un sachet de préservatif. C'est tout. Tu lui donnes un sachet de préservatif. Tu dis, bébé, bébé, tu sais que toi et moi, on va se marier. Nous sommes fiancés. Donc voilà, préservatif. Au cas. Il va dire, non, 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 non. Mais donne-lui. Il faut l'obliger à lui donner. Voilà, maintenant. Là, au moins ton dessin, c'est toi, tu lui as donné. Donc, au moins, s'il doit valider, là, il va se protéger. Au moins ton dessin, il va se protéger. Donc, Enis, il faut sous-malaler. Il faut sous-malaler parce que c'est si comme. Voilà. Non, on ne peut pas finir poisson dans l'eau. Enis, on ne peut pas finir poisson dans l'eau. Les artistes, là, ils sont comme ça. À tester, qu'à chauffer. Que ce soit artiste ivoirien, artiste camerounais, artiste. Oh, les Congolais, mais là, mais c'est grave même. Les chanteurs congolais, tous les danseurs là, et tous, ils ont baisé. Et ils baissent même, ils baissent les danseuses là d'abord. Ils baissent les danseuses là d'abord. Ils valident. Dès qu'ils ont fini de baiser les danseuses, maintenant, ils vont maintenant pouvoir les fans. C'est là-bas, ils vont valider encore. Ils sont même chose comme les artistes de coupé décalé. Les artistes de coupé décalé, tous les danseuses là, et ils valident d'abord, et ils valident. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es fâché.
Faut pas te fâcher, Enis. C'est ça, c'est normal. Dans un couple, il y a les petits palabres, les petits nkonkon, les petits wo, les petits dolio, les petits pandé, les petits djakou, les petits coutettes. Hein? Mais Enis, de toi à moi, comment tu peux cadenas coup de ténor? Comment tu peux cadenas son coup? Pourquoi tu fais ça, Enis? C'est enfant des gens. Hein? C'est enfant des gens. Tu as les cadenas son cou jusqu'à tes noms, même peut même pas respirer. Ah, Enis, donc ton histoire de karaté là, c'est la vérité. Moi, j'ai cru que c'était amusement. Déjà, c'est la vérité. Tu as cadenas même ton fiancé. Il ne peut pas respirer. Il restait un peu même chaleur du samba. Mais tu es sorti un peu quand même. Hein? Pour essayer. Tu es sorti un peu quand même. Nya. On peut cadenas son gars comme ça. On peut serrer le cou de son fiancé comme ça. Hein? Avant le mariage, tu cadenas. Il t'a cadenas son cou de. Ouais, non, en tout cas, j'espère que ça va marcher. J'espère que vous allez vous réconcilier. Franchement dit, c'est un bon couple. Bon, on passe au deuxième sujet. Quel sujet? Parce que aujourd'hui, là, je n'ai pas le sujet, là, mais je frappe dans le tas. Georgette Kofi. Ouais, big up à toi. Mais depuis là, je ne vois même pas les étoiles. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Si vous mettez étoile là, ça change quoi dans votre salaire? Hein? Il y a les étoiles de 3 euros, il y a les étoiles de 5 dollars, il y a les étoiles de 10 dollars. Ça vous enlève quoi dans les étoiles? Hein? Bon, juste pour rigoler. Ok, on va parler de quoi encore? Ouais, on a fini avec Tedor. Vous savez, il s'est fait tard, donc on ne va pas trop chose. On va parler de qui encore? Bon, par exemple, on va parler de Aya Robert. Voilà. Aya Robert, la gangaba de Facebook. Aujourd'hui, je confirme vraiment que Aya Robert, elle est devenue influenceuse. Ouais, je confirme que Aya Robert est devenue influenceuse. Parce que, waouh! Mais aujourd'hui même, il y a des coups bas même, il y a des trucs, des ennemis qui se sont réconciliés. Rien que pour aller clasher, se mettre ensemble, pour aller clasher Aya Robert. Et Aya Robert, franchement dit, hein, je ne sais pas ce que tu as fait aux blogueuses, mais vraiment, on dirait ils ont mis ta tête en garant. Hein. Tous tes amis se sont mis avec tes ennemis. Ils sont devenus amis pour pouvoir te clasher. Adama. Bon, maintenant, les blogueurs et blogueuses qui... Vous levez. Oh, qui est en train de m'appeler là? Qui est en train de m'appeler? Allô, je suis au téléphone. Je suis en direct. Allô, c'est qui? Non, il n'y a pas, c'est pas pour intervenir. Ouais. C'est pas pour intervenir. Ouais, donc je disais, les blogueuses, vraiment, hein, on a l'impression que si c'est pas Ayala, vous ne pouvez pas avoir visibilité. Franchement dit. Non. Parlons peu, parlons vrai. D'après Yaka Yaka. Et puis, au passage, je pense que le petit Robert, le dictionnaire Larousse, Yaka, doit avoir ses droits là-bas maintenant. Le dictionnaire doit payer les droits à Yaka. Parce que la vindique populaire là, Yaka, vraiment tu as créé un mot. Hein? Matin, je me réveille, je regarde Facebook, vindique populaire. N'importe quel vindique populaire. Ah ben non, vindique populaire. À la télévision, vindique populaire. Il dit vindique populaire, mais assis par terre. Yaka a créé le mot vindique populaire.
Mais est-ce que Dysonel Larousse va payer les droits à Yaka Yaka? Parce que oui, parce qu'il doit avoir ses droits. Mettez le cœur, mettez le cœur. Il doit avoir ses droits. Ah. Il y a quelqu'un qui dit, elle apporte quoi à qui? Elle apporte quoi à qui? Elle apporte. Mais tu es sur Facebook, non? Tu es sur Facebook. Si tu n'es pas sur Facebook, là, faut te déconnecter. Tu penses que toi-même, tu dors maintenant dans les lives de Aya Robert. Tu dors là-bas. Oui, tu dors dans les lives de Aya Robert. Aujourd'hui, pour avoir de la visibilité, il faut clasher Aya Robert. Aujourd'hui, pour avoir de l'autorité, il faut clasher Aya Robert. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup de likes, il faut clasher Aya Robert. Donc, ce que je vois là, aujourd'hui là, tout le monde essaie de clasher Aya Robert. Donc, ça veut dire, quand on fait les calculs, c'est Aya Robert qui est à la page. C'est elle, on doit clasher pour avoir de la visibilité, pour avoir des likes, pour avoir des... Je ne sais pas. Parce que même quand on rentre dans le groupe, et puis on voit là, tout le monde est en train de faire vidéo sur Aya Robert. Donc, bon, c'est Aya Robert qui a le pouvoir. Parce qu'on va lancer le challenge. Un challenge pour les blogueurs. Un challenge. Arrêtez de faire vidéo sur Aya Robert. On va voir votre visibilité là. On va voir votre visibilité. On va voir combien vous avez eu de vues. On va voir. Parce que quand vous ne parlez pas de Aya Robel, vous n'avez pas de visibilité. Faut pas on va se blaguer, il ne faut pas on va se mentir. Vous tous, vous tapez poteau. Oui. Moi, je ne suis pas défenseur de Aya Robel, mais j'aime pas les aide-moi à détester. Oui. Les aide-moi à détester, là, j'aime pas. On était tous amis, on était tous dans le groupe là. Quand il y a deux personnes qui font clash, hein, si on ne peut pas les séparer, on n'a qu'à les regarder. Mais on ne se met pas derrière une personne pour faire un groupe contre une autre personne. Non, moi je suis contre ça. Je suis contre ça parce que nous tous, on a été dans un groupe. On a été dans un groupe, on a formé un groupe. Mais aujourd'hui, il y a deux personnes dans le même groupe qui sont en train de se clasher, de se dire la vérité, de se casser les papous. Mais on les regarde. On les regarde. Maintenant, pourquoi vous tous, maintenant, vous vous mettez contre une autre blogueuse pour aller s'acharner sur Aya Robert? Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de couilles. Oui. Ouais, non, moi-même, là, vous pouvez me clasher tous les jours. Vous-même, vous pouvez me clasher. Moi, je fais toujours vu et ignoré. Voilà, non. Moi, je réponds. Voilà. Moi, je réponds. Attends, j'ai bien placé mes lunettes. Moi, quand je veux répondre à un clash, là, hein, quand je veux répondre franchement à un clash, je réponds à ceux qui sont connus. Je réponds jamais aux inconnus. Voilà. Je perds un clash et Malek Keïta me répond, je place mon portable. Pourquoi? Parce qu'elle est connue. Oui. Je fais un clash. Lolo Beauté me répond. Moi, je réponds. Parce qu'elle est connue. Je dis la vérité. Oui. Voilà. Si Coach Amonchik me répond, je place mon portable, je vais répondre. Pourquoi? Parce qu'elle est connue. Et ainsi de suite. Mais je ne peux pas placer mon portable pour les petits blogueurs, les gnani gnani là-bas, que moi j'ai placé mon portable pour répondre à quoi? Dites tout ce que vous voulez, ça va glisser. Mais reconnaissez que c'est Aya Robert qui a le brassard. Elle a le brassard. Acceptez. Aya Robert a le brassard. Elle a le brassard. Parce que vous tous, je parle des blogueurs sur la toile, les 1 vue, les 2 vues, 2 vues là. Hein? Vous êtes sur Aya Robert. Ça fait honte. On a l'impression que dans le milieu du blog, hein, dans le milieu du blog ivoirien, tout le monde est basé sur Aya Robert. Il y a d'autres personnes même qui se lèvent comme ça là. C'est la première fois qu'ils vont faire blog. Quand ils placent les portables là, et même ils écrivent en même temps. Aya Robert, viens prendre ton tabouret. Sans même savoir ce que Aya Robert a fait, ce que Aya Robert a fait. Tout le monde essaye d'avoir de la visibilité sur Aya Robert. Oui, je sais qu'il y a des blogueurs, ça leur fait mal. Ils sont en train de me regarder, mais ça leur fait mal. D'autres même sont en train de m'insulter. Mais ça, c'est vous qui voyez. C'est la vérité.
Moi, quand je veux faire clash avec quelqu'un, je prends un exemple. Si moi, je dois faire clash avec Makoso, par exemple, mais je ne vais pas attendre que Makoso soit en clash avec tout le monde. Et puis moi aussi, j'ai venu placer mon portable. Pour dire quoi? Parce que ça, c'est non, ça là, on n'appelle pas ça clash. On n'appelle pas ça clash. Un clash, si tu veux clasher une personne, tu veux clasher Aya Robert, attends si Aya Robert n'a plus de problème avec Lolo Beauté. Il faut prendre, toi-même, tu prends ton tabouret, tu laisses, tu m'imposes. Tu m'imposes. Le jour que le clash de Aya Robert avec Lolo Beauté est fini, là, toi, tu places ton portable maintenant, tu dis, bon, Aya Robert, toi et puis moi, là, on est ensemble. C'est comme ça qu'on fait clash. C'est comme ça qu'on répond clash. Mais Lolo. Aya Robert, elle en clash avec Lolo Beauté. Hein? Et puis vous tous là, vous passez derrière maintenant. Ouais, Aya Robert, viens. Je sais, si tu veux, il faut me répondre, tu vas voir. Elle ne va pas te répondre. Aya Robert ne va pas te répondre. Elle va répondre seulement à Lolo Beauté. Peut-être, elle peut répondre au général Makoso. Moi, je suis d'accord avec son système. Aya Robert doit répondre à Lolo Beauté ou à Makoso. Oui. Elle répond pas aux autres blogueurs. Elle répond pas aux autres blogueuses. Elle doit faire vu et ignorer. Vous-même allez chercher votre visibilité. Pourquoi vous voulez chercher visibilité sur elle? Pourquoi vous voulez chercher visibilité sur Aya Robert? Tu es blogueuse, elle est blogueuse. Et puis c'est sur elle que tu veux chercher visibilité. Pourquoi? On revient de loin. On revient de loin. Moi, quand je voulais visibilité, je suis allé classer José Diplôme. Oui. Quand je voulais visibilité sur les réseaux sociaux, moi, je suis allé classer José Diplôme. Après José Diplôme, je suis allé classer Beyoncé. Après Beyoncé, je suis allé classer DJ Arafat. C'est nous les premiers qui classaient DJ Arafat. C'est là-bas, moi, j'ai eu ma visibilité. C'est là-bas, je suis allé classer M. Benoît. Il est là, il est témoin. J'ai clashé Saint Benoît. Quand j'ai fini de clasher jusqu'à après maintenant, Makoso est rentré dans le game de Facebook. C'est à ça nous deux, on a commencé à faire nos clashs. C'est comme ça on répond clash. Mais vous attendez toujours. Attendez, j'ai vu un micro qui parle de. Bon. J'ai vu un micro, voilà. Je ne sais pas si c'est de moi qu'il parlait, mais moi, quand je vois que c'était, je suppose que c'est de moi qu'il parle. Non. Donc, je disais, quand on veut de la visibilité sur Facebook, hein, on se crée d'abord une visibilité. Je suis papa dans 12 cas. Venez, je vais vous donner des leçons. Des leçons, comment avoir de la visibilité sur Facebook. Je vais vous donner des leçons, comment jafou sur les réseaux sociaux. On ne peut pas avoir de la visibilité avec une autre blogueuse. Ça va se limiter au clash de bas quartier. Ça va se limiter au clash de bas quartier. Mais si vous voulez être connu, c'est Mamie Seloto. Je vais. Et après, je vais sur Akoutou. Hein. Ouais. Akoutou, prends ton tabouret. Parce que j'ai vu une vidéo, tu as dit que moi, j'ai été un mauvais conseiller. Je vais te parler. Attends, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Donc je disais, je ne suis pas là en train de défendre Aya Robert, mais je souhaite te dire la vérité. Nous sommes tous des blogueurs, on n'a qu'à faire des vidéos sur tout le monde, mais on ne peut pas se placer pour faire vidéos sur une seule personne. C'est méchant, oui, c'est méchant. Voilà, c'est méchant. Et moi aussi, je ne peux pas être aussi dans ce groupe là, dans ce lot là. Hein? Dans ce lot là, je ne peux pas, hein?
Je ne peux pas être dans ce lot. On ne peut pas former un groupe contre une seule personne. Pourquoi? Mais c'est une chose, hein? Donc, moi, je soutiens Aya Robert, je la soutiens parce que on peut pas faire une clash avec une seule personne. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, voilà, si tu veux faire clash, il faut attendre. Quand la personne n'a plus de clash avec une autre personne, et toi, maintenant, tu te mets dedans, tu te mets dans le game. Voilà, tu vas faire ton clash. Mais elle est en plein clash avec Lolo Beauté, ou Lolo Beauté est en train de chercher tous les supporters, tous les soutiens pour aller faire clash, et vous aussi, vous rentrez aussi dans le système. Et puis nous aussi, on va assister, on va chose. Ouais. Donc, c'est pas chose. Donc, je soutiens Aya Robert, que Aya Robert, le seul conseil que moi, je peux te donner, voilà. Les blogueuses à deux balles, là. Les blogueuses de deux vues, là. Faut pas les répondre, hein. Voilà, faut pas les répondre. Les blogueuses à deux balles, là, faut pas les répondre, s'il te plaît. Voilà, faut pas les répondre. S'ils veulent, ils n'ont qu'à crier. S'ils veulent, ils n'ont qu'à déterrer ta maman. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre ton couetou, là, pour faire drapeau. S'ils veulent, ils n'ont qu'à... Non, faut pas répondre. On ne répond jamais au canard boiteux. Oui. Le game de Facebook, on ne répond jamais au canard boiteux. Et c'est ça qui est la vérité. Hein? Voilà. On répond à quelqu'un qui a le nom. Quelqu'un qui n'a pas le nom, on ne répond pas. Ah Robert, tu n'es pas passé là. Sur Facebook, là, tu as trop fabriqué. C'est bon. Il faut arrêter maintenant de fabriquer. Tu as trop fabriqué. Ah Robert. Tu as trop fabriqué sur Facebook. Hein? Donc, je lance le challenge. Faites une semaine sans faire vidéo sur Aya Robert. On va voir vos vues. Là. On va voir si ça monte ou bien si ça diminue. On dit challenge. Moi-même, j'annonce ce challenge-là. Oui, c'est normal. Non, je reconnais que Aya Robert est une icône. Oui. Mais attaquer une blogueuse, comme les deux blogueuses, comme d'autres blogueuses par exemple, mais on peut passer l'œil, on peut taper l'œil pour attendre son opportunité pour faire clash. Mais faut pas te mettre clash derrière clash de choses. Lolo Beauté, pour faire toi ton palavre, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait clash sur Facebook. Non, c'est pas comme ça qu'on répond en clash. Voilà, c'est pas comme ça, on répond à clash. Donc, Aya Robert, voilà, sache que je te soutiens. Et puis, j'aime le système de Yaka Yaka, voilà. Big up à Yaka Yaka, parce que toi-même, on t'attaque, mais tu réponds pas. Wouh! Ouais, on a 2022, vraiment. Caravane de la paix, même assis par terre. Caravane de la paix est assis par terre. On clash Yaka Yaka, on insulte Yaka Yaka, on rentre boulet dans Yaka Yaka. Il répond pas, il fait vu et ignoré. C'est ça, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Oui, ça ment pas. Quand tu veux réussir dans la vie, il faut éviter les canards boiteux. Oui, non, c'est simple. Quand tu veux de la visibilité sur Facebook, évite les canards boiteux, cherche les gros poissons. Je vous ai appris ça, non, Aya Robert. Aya Robert, Yaka Yaka, Apoutou, vous trois, je vous ai appris ça. On poursuit les gros poissons. On cherche pas les alevins. Les alevins, c'est bébé de poisson. Quand on dit alevin, c'est un poisson, mais c'est le bébé de son poisson qui est alevin. Donc, on ne peut pas, tu ne peux pas aller chercher, tu ne peux pas aller chercher les gros poissons et tu viens. Hein, tu viens, hein, tu vas venir chercher encore les alevins. Non, faut pas faire ça. Aya. Yaka Yaka, c'est bien. Voilà, tu as fait un très bon système. On te clash, on t'insulte, on fait tout, on tout. Tu fais vu et ignoré. Parce que aujourd'hui, je sais pas, Yaka Yaka n'est plus à présenter.
Aya Robert n'est plus à présenter. Je ne sais pas quel nom vous allez chercher encore dans les petites réponses des blogueuses qui, voilà, qui n'ont même pas d'avenir. Elles sont bloquées. Il n'y a pas mari, il n'y a pas gars, il n'y a pas pointeur. C'est, elles ont juste beaucoup d'enfants un peu partout. Et on attend que les enfants grandissent et demain, ils vont devenir des footballeurs, voilà, des intellos. Et puis voilà, on va les soutenir. Mais les mères de combien, beaucoup d'enfants, de quoi, qui ont seulement mari, gars, copain, Facebook. Non, on ne répond pas à ça. Non, on ne répond pas à ça, man. On ne répond pas à ça. Hein? Aya, on ne répond pas à ça. Faut pas répondre à des clashs inutiles, Aya Robert. Non, non. Non, je viens d'écouter même chose. Le live de Line Fashion. Comment ça s'appelle là? Oui, Line Fashion, je te fais un big up. J'ai aimé ton live là. Oui, mais le problème, tu as fait ça en caché, regardez. Voilà, je partais chercher mon chargeur. Et puis, voilà, je suis tombé sur ton live. J'ai aimé ça, j'ai aimé ton live. Line Fashion, franchement, j'ai aimé ton live. Parce que tu as compris les histoires de aide-moi à détester en tant qu'une blogueuse. Moi, je ne veux pas faire du aide-moi à détester. On a 2022. On a fini avec cette histoire-là. Si moi, je veux faire clash avec Yaka Yaka, j'attends d'abord le jour que Yaka Yaka n'est plus en clash avec quelqu'un et je place ma caméra, je vais montrer à Yaka Yaka que c'est mon petit dans clash. C'est comme ça. Et on va au charbon. C'est comme ça on fait clash. Quand je fais clash avec Makoso, j'attends. Si Makoso n'est plus en clash avec quelqu'un, là, nous deux, on va au charbon. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Si je veux répondre à Johnny Pacheco, je vais attendre d'abord. Si Johnny Pacheco n'est plus en clash avec quelqu'un, et puis moi maintenant, je rentre en clash avec lui, on va au charbon. C'est comme ça on dit. Ça, c'est la qualité des blogueurs. Oui. On appelle ça la qualité des blogueurs. Parce qu'il y a la quantité et il y a la qualité. Quand tu te verses sur Facebook, tu vois, il y a 1 million de blogueurs. 1 million de blogueuses. Mais c'est départagé. C'est départagé. Voilà, donc, big up à Yaka Yaka parce que j'ai aimé ton nouveau système. Voilà, et puis c'est normal, tu n'es plus à présenter. Tu es déjà connu. Ben, tu es devenu influenceur. Bon, donc les vidéos, les attachements à des balles, ça va te rapporter quoi? Rien. Juste, ça va te rapporter quoi? Qu'on dit, non, il est gay, il est pédé, il est gay, il est pédé. Je dis, je vous dis et je vous le répète. Si il est gay, là, ça fait quoi? Ça change quoi dans votre vie? Ça change quoi dans votre vie? Mais vous êtes dans un pays, hein? Vous êtes dans un pays libéral. En France, c'est liberté. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en Hollande. En Allemagne, hein? En Russie, et en Russie non, hein? C'est la liberté. Si moi demain je suis gay là, à Thomas Porculo, ceux qui vont me dire que hey, toi tu es gay, je mange chez toi. Je mange chez toi, Yaka mange chez vous. Il est libre, s'il veut, si Yaka veut, il n'a qu'à prendre son cuir là pour faire drapeau. C'est lui ça regarde, on s'en gaba de ça. C'est sa vie. Ok? C'est sa vie. Voilà. C'est sa vie. Il fait de sa sexualité ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop. Laissez les homosexuels vivre leur vie. Laissez les hétéros vivre leur vie. Si toi, tu penses que l'homosexualité, là, ça t'arrange à mon frère. Mets-toi dedans. Ma soeur, mets-toi dedans. Faut pas juger qui que ce soit. Non. Non. C'est ta vie. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. On n'a même pas de vie. Donc, au moment où tu es en train de vivre, là, vis ta vie. Faut pas regarder Paul. Faut pas regarder Jacques. Parce que c'est pas Jacques qui t'a mis au monde. C'est pas Paul qui t'a mis au monde. C'est ta maman qui t'a mis au monde.
Donc s'il y a compte à rendre à une personne, c'est à ta mère ou bien c'est à ton père. Tu peux rendre ce témoignage ou tu peux te justifier, tu peux justifier quelque chose. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand on est homophobe, on ne vient pas vivre en Europe. Bim! Ah oui! Quand on est homophobe, on ne vit pas en Europe. On vit dans un village en brousse là-bas. Oui! Parce que le pays, le continent Europe là, appartient aux homos. C'est pour eux. C'est eux qui contrôlent. Tous les francs-maçons, ils sont homos. Tous les Illuminati, ils sont homos. Tous ceux, c'est pour eux le monde. Le monde les appartient. Vous voulez quoi? Mais c'est ça qui est la vérité. Vous voulez quoi? Non, il est gay. Non, il est gay. Non, il est pédé. Non, il est gay. A toma por culo. En espagnol. A toma por culo. Allez vous faire foutre. Yaka yaka, c'est sa vie. Il mange où il veut. Il dort où il veut. Il chie où il veut. Il fait de son bangala ce qu'il veut. Il fait de son anus ce qu'il veut. Si tu es trop fâché là, faut sauter, tu vas caler en l'air. Et puis si tu n'aimes pas lui sa situation, retourne dans ton pays. Parce qu'en Europe ici, l'homo, les homos, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux la terre. C'est pour eux l'Europe. Ah oui. Voilà. Donc, je soutiens Aya Robert. Je soutiens Yaka Yaka. Oui. Parce que j'ai vu un acharnement. Voilà, acharnement total sur ces deux-là, si Aya Robert, si Yaka Yaka, parce que, franchement, on a qu'à dire la vérité, parce qu'ils ont de la visibilité. Parce que c'est eux-là, on les appelle stars. Oui, c'est eux-là, on les appelle stars. Quand 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 40, 50 font vidéo sur toi, c'est toi-là, on t'appelle influenceur. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. On ne fait pas vidéo sur des inconnus qui, moi j'ai fait vidéo sur une personne qui a fait les 5000 views en une semaine. 3000 views en une semaine. Moi j'ai fait vidéo sur toi. Par rapport à quoi? Non. Moi, DJ Bussé de London, je suis calme. Je ne suis plus dans le game là. Seulement, je fais des vidéos parce que ma page est juste monétisée. Comme ma page est monétisée, je fais des vidéos pour alimenter un peu le truc. Et puis, voilà, moi aussi, prends ce jeton-là, aller payer quelques factures. Parce que moi, je paye des factures, moi. Ah oui, hein, on a bingué. Ah oui. C'est à cause de ça. Sinon, si c'est pas ça, là, je ne vais plus faire des vidéos. Je suis déjà connu. La seule personne qui ne connaît pas DJ Pussé de London s'appelle Alassane Ouattara. La seule personne qui ne connaît pas DJ Pussé de London s'appelle Alassane Ouattara. Sinon, tout le monde me connaît. Tous les quatre coins cardinaux, on me connaît. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. En Europe, en Afrique, en Asie, je ne sais pas. Aux États-Unis, en Australie. Tout le monde connaît DJ Pussé de London. Moi, je me suis déjà donné un nom depuis le départ. Je me suis déjà donné un nom. Donc, je fais plus les clashs à deux balles là, non. Cette année là, j'ai fait clash avec qui? J'ai fait clash avec Makoso. J'ai fait clash avec Lolo Beauté. Avec qui encore? Et puis j'ai répondu à Emmanuel Keïta. Les trois. Et bizarrement, coïncidence, les trois sont influenceurs. Donc vous voyez dans quelle catégorie je suis. Vous voyez dans quelle catégorie, dans quelle catégorie moi je suis. Je réponds à ceux qui ont non. Et Géné Aline, ouais, elle aussi, elle est là-dedans. Géné, j'ai été clashé. Là, voilà, là. Géné Aline, elle est à Londres ici. Voilà, elle aussi, elle fait des vidéos. Elle fait des vidéos, elle fait des lives. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur sa page. Elle s'appelle Géné Aline. Voilà, elle est à Londres. Elle a plein de vidéos là-bas, ça fait trop rire. Voilà, donc, c'était mon indirect, on cause un peu, parce que moi, je suis fâché contre les blogueurs. Les blogueurs, là, je suis un peu
je suis fâché contre les blogueurs. Pourquoi? Parce que vous tous, vous avez formé un groupe pour aller clasher Aya Robert. Comment des ennemis d'hier sont devenus amis aujourd'hui rien que pour aller clasher Aya Robert? Et puis nous, on va regarder ça, on va assister, on va encourager ça. Moi, je ne peux pas encourager la bêtise. Je ne peux pas encourager la bêtise. Hein? Ceux qui ont insulté Lolo Beauté jusqu'à fatiguer, ils ont insulté Lolo Beauté jusqu'à aujourd'hui. Elles sont amies. Juste parce que elles ont envie de faire du aide-moi à détester. Comme on n'aime pas trop Aya, on n'aime pas Aya. Ceux qui sont mis derrière Lolo Beauté là, elles n'aiment pas Aya Robert même. C'est-à-dire qu'elles voient Aya Robert comme ça, ça les fait mal. Donc, on va signer un pacte avec le diable. On signe un pacte avec le diable. On se met ensemble et on va clasher Aya Robert. Et puis après, si le clash est fini, nous deux, on continue nos palabres. Moi, je n'ai qu'à vous soutenir dans ça. Je n'ai qu'à vous soutenir dans ça. Je ne vous soutiens pas. Et puis, je pense que personne ne vous soutient même. Parce que ça fait pitié. Hein? On ne peut pas avoir beaucoup d'enfants comme ça. Au lieu d'aller gérer vos enfants, au lieu d'aller vous occuper de vos enfants, non. Tout ce que vous cherchez, c'est comment on peut se mettre ensemble pour aller signer un pacte avec le diable, pour aller faire des clashs avec Aya Robert ou bien faire des clashs avec Yaka Yaka. Mais c'est vraiment... Hein? Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourtant, no pity in business. Hein? Ça fait pitié. Ouais, abonnez-vous sur la page de Géné Aline. Hmm? Ton mot dia aussi, Géné. Ton mot dia Primas. Abonnez-vous sur sa page. Ouais, non. Je suis DJ Plus de London. Même avec 2 abonnés, on sait que je suis DJ Plus de London. Ça ne peut même pas chauffer. Moi, j'ai déjà cherché mon nom. C'est pas blogueur qui m'a donné le nom. Hein. Je répète. C'est pas blogueur qui m'a donné nom. Moi, un blogueur ne m'a jamais donné nom. Oui, j'ai commencé mes blogs, j'ai commencé à attacher José Diplôme. Après, j'ai clashé DJ Arafat. Ça a fait bim, jusqu'à Youyou Toi Rouge même m'a appelé. Youyou Toi Rouge, le manager d'Arafat. Là, il dit, ah, Kiden, il y a quoi? Tu es sur mon artiste là. Il dit, non, laisse, on est dans le mouvement en ce moment, on appelait pas ça game, on appelait ça mouvement. On est dans le mouvement, allez là. Il dit non, c'est pas grave que Arafat a vu la vidéo, il arrive jusqu'à fatiguer. Oui, c'est comme ça, on cherche. On cherche pas les petits de l'attaque. Non. Moi dis, toi dis. Après c'est maman, c'est papa, c'est maman, c'est papa, c'est maman, ton gros con, ton con, tapine, ton con, tapine. Ça là, ça donne plus view. Ça ne donne plus view. Ton con, tapine, ça ne donne plus view. Ce qui donne view là, c'est les sujets et les vrais sujets. Regarde le buzz de coach à mon chic. Ça, on peut placer son portable pour parler de ça. Oui, on peut parler de ça. Le buzz de coach à mon chic, ça a été un buzz bim. Oui, on peut parler de ça. Parce que c'est un sujet qu'elle a envoyé, qui a touché nous. Nous, les morts de la Yougoslavie. Hein? Nous, les Yougos, ça nous a touché. Donc, on a répondu. Tout le monde a répondu. Ceux qui ont répondu, ont répondu. Vous avez vu, non? Coach Amoshik a fait une vidéo pour expliquer Yougos, pour expliquer Kavia. C'est parce qu'on l'a frapponné, elle a expliqué. Ah bon! Si on n'avait pas fait des vidéos, tu pensais qu'elle allait répondre? C'est ça là, on peut répondre. Pourquoi? Parce que c'est le buzz du moment. 2 jours là, le buzz est quitté. Si coach Amonchik s'est tombé directement sur Enis avec Ténor. Donc coach Amonchik, je te fais big up. Tu peux respirer maintenant. Je t'ai déjà dit, hein, moi je ne suis pas contre toi. Je suis le game.
c'est le game. Et puis on avance. Voilà. Toi-même, tu sais que nos pages là, nos pages sont monétisées. Donc, j'ai fait, coach, j'ai fait 3 vidéos sur toi. Trois. J'étais framponné 3 fois. Voilà. La première vidéo, on dirait, ça paye 300 $. La deuxième, ça paye. La deuxième vidéo, ça paye 120 $. Et troisième, là, ça tapait poteau, ça paye seulement quelque chose, 40 $. Donc, ça veut dire que le buzz finissait. Donc, quand il y a un peu d'argent, quand l'argent diminue, c'est que le buzz aussi diminue. Donc, je ne vais plus placer mon portable encore pour parler de coach à mon chic. Non, parce que le buzz est mort. Allez là, c'est le buzz de Ténor avec Enis. On est là-dessus. Mais en même temps, je dis aux blogueurs, là, si vous voulez émerger, pardonnez, laissez vos blogs à 2 balles toujours sur Aya Robella. Ça ne va pas vous donner view. Au contraire, ça va vous déposer et vous allez faire toujours à Talakou de Aya Robert. Et comme je veux que vous aussi, vous émergez, nous tous émergeons, émergez-vous vivants. Parce que moi, je n'émerge plus. Non, moi, je suis le doya, papa dans 12 cas. Je suis fatigué. Je ne suis plus dans vos clashs à 2 balles là. Non, je ne suis plus dedans, moi. Excusez-moi si je choque. Tu vois, je ne suis plus dedans. Ouais, un peu, non. Je ne suis plus dedans. Moi, j'ai déjà non. J'ai déjà non. Ici, papa n'a 12 cas. Papa n'a 12 enfants. Hein? 2010, j'ai fait un enfant. 2011, un enfant. 2012, un enfant. 2013, un enfant. 2014, un enfant. On est en 2022. Ça fait 12 ans. Ça fait papa n'a 12 cas. L'année prochaine encore, là, papa n'a 13 cas. J'ai fait enfant encore. Donc, j'ai tout gagné. Tous les enfants que j'ai eu, c'est sur Facebook. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Tous les enfants que j'ai eu là, c'est sur Facebook. Alors, donc il y a quelqu'un qui m'a dit que non, vieux, est-ce que toi tu as eu quoi sur Facebook? Non, je suis papa dans 12 cas. J'ai eu 12 enfants sur Facebook. Chaque année j'ai un enfant. Ça fait 12. Donc je suis le plus gagnant de Facebook. Parce que chaque année j'ai 12 enfants. Et l'année prochaine ça sera papa dans 13 cas. Donc, je dois faire un enfant encore, ça fait 13. Chaque année, il doit avoir un enfant. Donc, je suis le plus gagnant de Facebook. Hein? Donc, on fait pas, on place pas son portable pour répondre à n'importe qui, à n'importe quoi. Si tu te vends moins cher, la vie va t'acheter à crédit. Ça, c'est un conseil pour les blogueurs. Un conseil. Hein? Faut pas penser que tu vas clasher un blogueur pour avoir non. Ça ne va pas te donner non. Ça ne peut pas te donner non. Il y aura un temps où nous tous, on va regarder vos conneries là. Et puis après, quand il y aura un autre buzz là, on va passer à autre chose. Vous, on va vous oublier. J'ai vu des blogueuses qui ont fait vidéo, qui ont attaché à Robert. Même jour là, elles ont eu 350 000 views. Une semaine après là, le buzz est passé. Elles ont passé à autre buzz. Actuellement, ils sont à 1500 views en chose, 2 mois. 2000 views en 3 mois. Donc, ça veut tout dire. Donc, vous êtes en train de faire la publicité de Aya Robert et de Yaka Yaka. En réalité, sans même le savoir, vous faites la publicité de Aya Robert et de Yaka Yaka. Laissez-les en paix. Laissez eux aussi. Ils font les blogs. C'est les blogueuses. Donc, elles vont se mettre aussi pour parler aussi des gros poissons. Oui. Cherchez les gros poissons. Ah, vous aimez trop les petits poissons, les alevins là. Laissez-les, aide-moi à détester, aide-moi à détester. Comme je n'aime pas Aya Robert, je vais m'associer avec Lolo Beauté. On va faire ami, on va faire chose, et puis on va aller clasher Aya Robert. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et ça fait pitié. Ça pour ça, vous n'émergez pas. On ne vous connaît pas. Oui, on ne vous connaît pas. Ouais. Franchement dit, on ne vous connaît pas. Et si vous continuez là, on ne va plus vous connaître. Aïe, toi aussi. On ne vous connaît pas. Moi, je suis allé à Abidjan. Je suis allé à Abidjan. Je me suis caché. Mais dans caché là, on m'a invité à ce midi. Dans caché là, on m'a invité à la radio. Dans caché là, on m'a invité dans
pour les salons, les petites shows des stars façon Abidjan. Moi, on m'a invité. Pour ne même plus partir là, j'ai changé de puce. Parce qu'on m'appelait trop pour aller dans les trucs comme ça. C'est nous là, c'est nous les stars. Quand on va en Afrique, on nous cherche, c'est tous. Le nom même est déjà programmé. Mais vous, vous partez maintenant, vu et ignoré, vous revenez encore, vous venez faire des mêmes bêtises là. Non, on ne fait pas ça. On cherche les gros poissons. On cherche les gros poissons et puis il y a des cas spéciaux. Hein? Si tu as un rembat avec quelqu'un, que la personne veut régler un rembat, on fait ça en un live, deux lives, ça s'arrête là. Mais pour vous là, 4 lives, 6 lives, 8 lives, 10 lives. Mais vous allez émerger quand? Vous n'avez qu'à tripou. Vous n'avez qu'à pépé. C'est papa n'a 12K, le doya de Facebook qui vous conseille. Je suis le José Mourinho de Facebook. Oui. Moi, je peux prendre quelqu'un et puis je vais le fabriquer. Oui. Et c'est ça qui est la vérité. Ça ne peut même pas chauffer. Ok? Donc, petit conseil aux blogueurs et aux blogueuses. On n'allait pas magnan dans magnan. On ne peut pas devenir star en voulant clasher un blogueur. Non, tu ne vas jamais devenir star. Tu vas toujours crier, crier seulement. Et puis, ça va s'arrêter là. Quand tu as changé de sujet, tu vas tomber. Demandez-moi. Aïe. Ok. C'était mon petit direct. Voilà. Je fais big up à tous les blogueurs qui veulent émerger. À toutes les blogueuses qui veulent émerger. Si tu veux émerger, laisse les Congossas à des balles. Laisse les Congossas à répondre à des blogueurs, blogueuses qui ont les 2 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues, 6 vues. Là. Laisse ça. Laisse ça. Quand on dit il y a buzz, tu peux parler de ça. Quand on dit il y a chose, tu peux parler de ça. Maintenant, si tu veux faire quelqu'un face to face, spécialement à quelqu'un que tu veux attacher, cherche les gros poissons. Gros poissons. Si tu as attaché série d'Ocas et puis elle t'a répondu, mon frère, tu as 100 000 minimum views. 100 000 abonnés minimum. C'est comme ça le game. Affaire à suivre. Big up à tout. Aya Robert, je te fais un big up. Yaka Yaka, je vous fais un big up. Tous les blogueurs, je vous fais un big up. Et restez concentrés. Ne répondez plus. Ne répondez plus aux petits blogueurs. Non. On ne répond pas aux petits blogueurs. Jamais. Tous les blogueurs qui m'ont clashé là, je ne les ai jamais répondu. J'ai répondu à une seule personne. Loro Beauté. J'ai répondu à une seule personne. À Yaka Yaka. J'ai répondu à une seule personne. Au général Makosso. J'ai répondu à une seule personne. Aya Robert. J'ai répondu à une seule personne aussi. À Loli la fracasseuse. Voilà, voilà une fille que j'aime un peu son blog. Oui, mais elle doit vraiment. Il y a quelque chose un peu, elle doit serrer un peu, desserrer par rapport à le aide-moi à détester. Enlève ça d'abord. Cherche les gros poissons, ma petite. Cherche les gros poissons. C'est quand on est star. C'est quand on a de la visibilité. C'est quand on a abonné. On peut répondre maintenant les petits aide-moi à détester. Ça ne fait rien. Comme ce que Loro Beauté fait là. Loro Beauté fait ça. C'est parce qu'elle est déjà connue. Donc, elle peut faire des petits croquements, aide-moi à détester, elle appelle les gens. Oui, c'est passé, elle-même là, elle est connue, elle a de la visibilité. Donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ça. Parce que quand il rentre dans le jeu de ça, c'est elle qui prend les points. Vous qui êtes à côté, qui faites les vidéos à côté, si j'ai un repère là, ça sera vu et ignoré. Au contraire, ça vous enfonce. Demandez-moi. José Mourinho de Facebook. Je connais trop Facebook. Trop. Bon, big up à vous. Voilà, c'était mon petit acharnement sur vous. Et puis, à demain encore. Voilà, je vais faire live parce que ma page est monétisée. Voilà, cet argent-là, je ne vais pas vous payer une facture de téléphone. Moi, si je paye facture de mon téléphone, là, 200 pounds, ça là, 200 pounds. J'ai un autre téléphone là, c'est 35 pounds. J'ai un peu impôts, taxes, tout ça là. Donc, ça là, je prends ça pour payer ça seulement.
Et puis ce que je gagne à côté là, je prends ça pour vivre, pour m'occuper de mes enfants. Allez, big up à vous, DJ Buzet et London. À Fawoyo.